Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Vous connaissez Villeroy et Bosch, vous connaissez les sanitaires de salle de bain, vous connaissez peut-être un petit peu moins les éviers Villeroy et Bosch. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent bien évidemment. Alors, vous connaissez les éviers tradition, les anciens, que vous avez certainement vu chez vos grands-mères. Mais Villeroy et Bosch fait également des nouveaux coloris et également des éviers à mettre à fleur de plan de travail. Et également, c'est toute nouvelle couleur. Alors, il y a beaucoup d'avantages dans ces éviers, on va les voir ensemble. Alors maintenant, c'est pas tourné dans un studio, c'est tourné au magasin. Cet évier fonctionne, il est raccordé, vous pouvez passer le voir et tester si vous souhaitez la résistance. Alors, qu'allons-nous voir avec ces éviers? Tout d'abord, vous devez le savoir, il n'y a pas de transmission de goût. Vous pouvez laisser dégivrer, décongeler un mets, votre poisson sur votre évier, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de transmission. C'est très hygiénique, c'est très facile à entretenir. Plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, Villeroy et Bosch est une marque qui est fabriquée en France. C'est une marque qui est franco-allemande, mais c'est fabriqué en France ce type d'évier. C'est de la céramique. Alors, c'est robuste, c'est résistant. Vous avez quand même énormément de résistance dans ces éviers. Il y a une vieille réputation qui dit que oh là là, c'est pas très robuste, ça peut casser avec une casserole. Nous allons également tester les rayures d'un couteau. Si vous coupez par exemple un citron, voilà. Vous pouvez laisser agir le citron dessus, ça ne va pas attaquer. Ça se nettoie durablement, ça ne tâche pas non plus. C'est l'avantage. Alors on va évidemment aussi tester, outre les couteaux que vous pourriez avoir sur votre évier, on va également tester la température. Un évier Villeroy et Bosch, ça supporte la température. Et également, on va brûler du ketchup. Alors vous allez me dire, pourquoi du ketchup? Ça contient beaucoup de sucre. Le sucre chauffé se transforme en caramel et donc c'est pouvoir vous montrer à quel point ça se nettoie facilement. Alors, notre évier également est ce qu'on appelle un céramique plus. Vous avez un petit traitement supplémentaire, un effet lotus qui fait que vraiment, voilà, ça reste en surface, l'eau ne rentre pas dedans et tout se nettoie très facilement. Comment nettoyer son évier? Très simplement, vous nettoyez avec une éponge normale, même le côté vert, si vous devez gratter, il n'y a pas de souci, et un produit vaisselle traditionnel. Donc, on a bien brûlé le ketchup dessus. Venez voir. On a vraiment, voilà, avec l'éponge côté vert, vous savez le ravoir très facilement. Effectivement, l'endroit où j'ai brûlé est chaud. Je voulais également vous montrer une petite démonstration. Donc voici du marc de café que nous allons déposer dans la cuve avec du vin. Quand vous avez ce genre de choses dans votre évier, la plupart du temps, vous devez frotter. Grâce à ce revêtement céramique plus, en plus la couleur ne s'altère pas avec le temps, rien que le fait de rincer va se nettoyer très facilement. La démonstration est terminée, ça résiste aux acides, aux chocs, à la température, ça se nettoie facilement, c'est hygiénique, vous avez tout compris. Et c'est disponible pour tout type de cuisine équipée. Passez le tester en magasin, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et même LinkedIn pour le réseau professionnel. Abonnez-vous, suivez-nous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !